Écoutez, la gauche, bon d'abord, elle se comporte de manière civile et respectueuse et courtois. Aussi. C'est quand même mieux que les ébulons de l'Assemblée nationale. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des amendements identiques qu'ils défendent les uns derrière les autres pour dire la même chose. Et derrière, ils ont je ne sais combien d'explications de vote. Moi, j'en suis à ma 5e réforme des retraites, comme je suis un parlementaire qui a quelques heures de vol. Et je me souviens d'avoir présidé une séance quand j'étais vice-président de l'Assemblée nationale où on acceptait qu'un orateur par groupe sur les explications de vote. Parce que ce qui intéresse évidemment le peuple de France, c'est de savoir quels sont les arguments échangés. Et évidemment, à partir du moment où les rapporteurs, qui sont excellents, Madame Doineau et Monsieur Savary, donnent la position majoritaire de la commission, la réponse est faite, oui. Si vous voulez. Donc on ne va pas aller dans des débats qui vont s'éterniser, parce que si le but c'est qu'on ne vote pas cette loi au final, nous c'est pas notre but. Oui. Nous, nous voulons que la loi qui est celle du Sénat, c'est-à-dire ce n'est pas celle du gouvernement, le Sénat va fortement améliorer cette loi, que cette loi soit votée au final. Mais ça veut dire que, mis à part les parlementaires de gauche, il n'y a que la commission qui doit s'exprimer dans ce débat sur les régimes spéciaux, la droite n'a rien à dire, à part pour ce qui est de Madame Doineau pour les centristes la et droite M. Savary pour les LR, moi, il n'y a que deux représentants de la majorité sénatoriale. Si on avait ce que je viens de vous dire, qui se passe de temps en temps et que le règlement permet, c'est-à-dire un orateur pour, un orateur contre, évidemment qu'on aurait un orateur qui viendrait être contre les amendements de suppression de la gauche. Mais là, en l'occurrence, le but est de faire traîner les choses en longueur. On ne va pas tomber dans ce piège de rajouter du temps au temps. On a dit les choses. Si on veut justifier un effort important des Français, passer à 64 ans, c'est un effort important demandé aux Français. Si on veut justifier l'effort, il faut fortifier la justice du texte. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la suite. C'est-à-dire qu'on puisse faire plus pour les mères de famille, qu'on puisse clarifier le dispositif des carrières longues, qu'on puisse clarifier les questions de pénibilité et qu'au final, on ait plus de justice parce qu'aujourd'hui, c'est profondément injuste. Expliquez-moi, puisqu'on parle de régimes spéciaux, pourquoi un conducteur d'autobus dans ma métropole lilloise, lui, il est condamné à avoir un régime comme tous les Français et que la RATP, ils peuvent partir entre 52 et 57 ans. Il y a une injustice profonde et donc il faut réparer cette injustice.